Good morgen, allez, Iden, et tu seras aujourd'hui le Nishmat Avam Chayn, Norbert Ben Fortuné Mazal, Dov Ben Yehudit, Micha Machlouf Ben Masouda Nachman Yosef Ben Nachum, Yakov Nissim Ben Chana, si vous souhaitez vous y dédier une prochaine étude de Mishnah contre Tel Sakim et Tetanel, nous étudions Maserhet Mila, Perek, Gimel Mishnah Zain, Shoshe Ilan, Shel Hediot, Bain Beshel Hegdesh, Beshel Hegdesh, Bain Beshel Hediot, Lonenin Velo Moalin, Amaayan Shu Yotsemitoch de Hegdesh, Lonenin Velo Moalin, Yatsachut Lassade, Nenin Mimen. המים שבקד של זהב, לא נהנין ולא מועלין. נתנו בצלוחית מועלין בהם. ערבה לא נהנין ולא מועלין. רבי אליעזר בערב צדוק אומר, נותנין היו ממנה זקנים בלולביהן. On continue à évoquer toutes sortes de choses qu'on sanctifie, à définir à partir de quand ils deviennent interdits, à partir de comment commence à s'appliquer l'interdit de Meïla, jusque quand. Et on commence avec le premier sujet de la Mishnah, Chorché Ilan, des racines d'un arbre. Shel Hediot, qui appartiennent à un homme simple, qui n'est pas Kadosh. C'est pas qu'il est tamé. C'est que c'est pas la propriété de la Gdusha, de la trésorerie du Beth Amikdash. Ba'in Beshel Hegdesh. Et que ces racines-là s'étendent jusqu'au voisin qui est Hegdesh. Ou inversement. Beshel Hegdesh. On a des racines d'un arbre qui est Kadosh. Qui appartient qui a été offert à la trésorerie du Beth Amikdash, mais que ces racines-là, Ba'in Beshel Hediot, viennent dans la propriété d'une personne simple, eh bien, la Mishnah enseigne, sache que l'O Ne'enin ve'l'O Mo'alin. Ni on a le droit d'en tirer profit, certes, mais malgré tout, il n'y aura pas d'interdit de Meïla, si a posteriori t'en tirer profit. Et je reprends et j'explique, parce qu'il manque une donnée essentielle. Peut-être que j'ai entendu d'abord la donnée, comme ça, vous allez vous préparer au grand chidouche qu'il va y avoir. D'abord, on a déjà évoqué, quand on étudie dans Maseret Baba Batra, on a déjà découvert qu'un arbre puise ses forces autour des 16 amas autour de lui, des 8 mètres, le périmètre de 8 mètres autour de lui. Les racines qui vont s'étendre jusqu'à là-bas, elles puisent des forces pour l'arbre. Mais au-delà des 16 amas, vous pouvez couper la racine, il n'y aura aucun changement pour l'arbre. C'est beaucoup trop loin, il ne tire pas profit, il ne tire pas de force vitale de ces racines qui sont loin. D'accord? Maintenant, le but de notre Mishnah, il est de m'enseigner le statut des racines qui puisent d'un champ, que chacun a un statut différent. C'est-à-dire, ça peut être un arbre kadosh avec un champ profane, ou ça peut être un arbre profane avec un champ kadosh. Quel sera le statut des racines si j'en tire profit? Petite parenthèse, on va selon l'avis de la Mishnah précédente qui me disait que Gidoule Hegdesh, que Hegdesh, que ce qui pousse du Hegdesh, aura aussi un statut de kadosh et aura un interdit de Meïla. Sinon, la Mishnah n'a aucun intérêt. Et on referme la parenthèse, et on continue donc à expliquer notre Mishnah. Donc il s'avère que, on va prendre le premier cas, on parle donc d'un arbre qui est profane, mon arbre, mais que j'ai sanctifié le champ juste à côté. Donc maintenant, la terre, elle est devenue kadosh. Ce qui se passe, c'est qu'il y a les racines de mon arbre qui s'étendent jusqu'au champ kadosh, elles puisent leur force de là-bas, donc mon arbre grandit grâce à elles, grâce au Hegdesh, les racines aussi se développent elles-mêmes aussi grâce au elle continue à être entretenue grâce au champ Hegdesh. Et la question, elle est de savoir, est-ce qu'on a le droit de tirer profit des racines? La Mishnah me dit, sache que les racines, dans ce cas de figure, donc où l'arbre est profane, mais elles puisent leur force dans du champ Kadosh, eh bien, tu n'auras pas le droit de tirer profit des racines, mais il n'y aura pas d'interdit de Meïla posteriori. Pourquoi? Parce que ça reste mon arbre. Ça reste les racines de mon arbre, ce n'est pas l'arbre du Hegdesh. Précision super importante du Barthénora, on n'est que dans le périmètre des 16 amas. Parce que les racines qui vont s'étendre plus loin que les 16 amas, puisque mon arbre n'en a plus besoin, eh bien il s'avère qu'elles appartiennent, en théorie quoi, on peut les couper là-bas à la fin des 16 amas, donc il s'avère que le bout de racine qui continue encore dans le champ Hegdesh, il ne m'appartient plus, et il se développe grâce au Hegdesh, eh bien il appartient au Hegdesh, il y aura un interdit de Meïla sur lui. Inversement, si on a un arbre qui est cette fois-ci Kadosh, qui s'étend dans le champ du voisin, dans mon champ, et puisent leur force de nouveau. La Mishnah enseigne, il n'y aura pas d'interdit de Meïla, mais tu auras toujours, malgré tout, pas le droit d'en profiter. Sur ça, on a le Barthénora qui va nous préciser de nouveau. Cette fois-ci, on parle que au-delà des 16 amas, c'est-à-dire l'arbre et les kadosh, ils se trouvent là-bas, les racines qui vont dépasser les 8 mètres, les 16 amas, alors les racines qui vont se retrouver chez moi, sache que je n'ai pas le droit d'en tirer profit, certes, mais il n'y aura pas d'interdit de Meïla parce que c'est plus une racine vitale pour l'arbre, donc elle est déconnectée de l'arbre. Mais il y aura quand même un interdit de Meïla parce que de tirer profit parce que finalement, c'est quand même
finalement, ça découle, ça provient de l'arbre qui est kadosh. Par contre, tirer profit des racines à l'intérieur de ce périmètre des 16 amas, des 8 mètres, eh bien, il y aura un interdit de Meïla. Comme ça, le Bar Tanoura, il explique. Et on continue avec le deuxième sujet de la Mishnah, Ma'ayan, la source d'eau, Shu Yotse Mitor Sde Gdesh, qui sort à partir, ou bien au milieu d'un champ qui est kadosh. L'one nin, velo moalin. On n'a pas le droit d'en tirer profit, mais il n'y aura pas d'interdit de Meïla. Par contre, Yatsachutz la Sade, si cette eau de source, elle a continué à sortir au-delà du champ, comme c'est le cas, ça produit, puis après ça coule, ça sort. Eh bien, le Yatsachutz la Sade, c'est sorti à l'extérieur du champ, né nin mimenu, on aura même le droit d'en tirer profit. Donc, je vous dis tout de suite le Bar Tanoura comment il explique. On ne parle pas d'une source qui jaillit dans un champ qui est Ekdesh. Parce qu'une source qui jaillit dans un champ du Ekdesh, eh bien, la source, elle sera Kdosha. D'accord? On va toujours, selon la vie qui nous disait là-haut, que ça peut devenir Kadosh. Maintenant, donc, on parle en réalité, le Bar Tanoura explique qu'on parle en réalité que il y a une source qui jaillit du voisin, de chez Réhouven. La source jaillit, l'eau commence à traverser maintenant, rentre dans le champ qui est Ekdesh. Et après qu'elle est passée dans le champ qui est Ekdesh, elle ressort chez le champ de Shimon. Alors la Mishnah me dit, ben tu sais quoi, lorsque l'eau elle est dans le champ Ekdesh, vous n'avez pas le droit d'en tirer profit. Mais celui qui en tire profit ne transgressera pas l'interdit de Meïla parce que ce n'est pas un bien Kadosh. Et il n'y a pas non plus le champ qui va acquérir, le Ekdesh qui va acquérir parce que, par Kinyan Chatzer. Parce que, alors là ça touche à trop de détails, mais on le dit très rapidement, parce qu'étant donné que c'est une eau qui est prévue, qui est rentrée avec prévision qu'elle va ressortir, c'est pas une eau qui stagne, dans ce cas-là il n'y aura plus le Kinyan Khatser, ce qu'on a expliqué dans la Mishnah précédente. D'accord? Donc en fait l'eau, pendant qu'elle est dedans, tu la prends pas, parce que ça se fait pas, ça ressemble trop au Ekdesh, à tirer profit du Ekdesh, même si objectivement c'est pas Kadosh, mais ça ressemble à ce qui appartient au Ekdesh, mais dès que ça va sortir, tu pourras même en tirer profit. Voilà la deuxième partie de la Mishnah. Maintenant, troisième partie. Amaim Shebekad, l'eau qui est dans la cruche. Shel Zahav, dans la cruche d'or. L'eau Ne'enin, velo Mo'alin, on n'a pas le droit d'en tirer profit. Mais il n'y aura pas non plus d'interdit de Meïla, que si on en a tiré profit, on ne devra pas apporter le corban de Meïla. Par contre, Netano Betzlochit, par contre, dès qu'il va le donner, je ne sais pas comment dire, dans la Tzlochit, dans la petite fiole, eh bien, Mo'alin Ba'en, il y aura un interdit de Meïla. Et on explique de quoi on parle. D'abord, ça, il faut connaître Maseret Souka. Vous savez bien qu'à Souka, il y avait le Nisuch Hamaim. Durant les trois jours, premier, 6 et 7, je crois. Machloket, est-ce que c'était tous les jours ou pas? Il devait mettre une machloket sur ça. Et en tout cas, il fallait coquiner, il fallait puiser de l'eau et aller la verser sur le Misbéach. Maintenant, cette eau, il fallait la porter du Mea Shiloh. Quand ça tombait le Shabbat, il fallait. Chaque jour, on allait ramasser de l'eau, c'était du Maïm Chaim, de l'eau vivante, de l'eau de source, qui se trouvait au Mea Shiloh, on ramassait, puis on l'emportait au Bet-Midrash, et là-bas, on faisait le Nisuch Hamaim avec, on l'a sanctifié. Quand ça tombait le Shabbat, alors on ne pouvait pas puiser cette eau Shabbat à cause de l'interdit de porter. De ce fait, il fallait prendre l'eau depuis la veille de Shabbat. Il fallait prendre l'eau depuis la veille de Shabbat, et on l'a conservée dans un ustensile, justement le Kad Shel Zav. Dans la cruche en or. Il y avait une cruche en or là-bas, on gardait l'eau. Et le lendemain, lorsque c'était le moment maintenant de faire le rituel, de prendre l'eau et d'aller la verser, on prenait cette eau, on la versait dans un kli charrette, un kli de service du Beit HaMikdash, et ce qui est la tzlochit, et puis ensuite il fallait le prendre et aller le verser. De la Mishnah me dit, tu sais, dans la première étape, lorsque l'eau elle se retrouve dans la cruche en or, et ben sache que pour le moment elle n'est pas encore Kdosha. De ce fait, il n'y aura pas d'interdit de Meïla si t'en tires profit. Mais malgré tout, l'eau Néni, on n'a malgré tout pas le droit d'en tirer profit, parce que ça a été réservé pour la voda du Beit HaMikdash, donc on ne va pas en tirer profit, même si ça n'a pas été sanctifié encore. Par contre, dès qu'on va prendre cette eau et qu'on va la mettre dans la Tzlochit, dans l'ustensile avec lequel on va maintenant apporter cette eau sur le Misbéach, alors là, ça y est, c'est devenu l'offrande pour le maître du monde. Dans ce cas-là, celui qui va tirer profit, il y aura un interdit de Meïla. C'est ce que la Mishnah me dit, Netano Betzlochit, c'est la donner dans la fiole, dans une petite bouteille, d'accord, le récipient où on met l'eau pour aller l'asperger pour aller la verser sur le Misbéach, et bien Mo'alin Ba'en, on transgressera l'interdit de Meïla.
Quatrième sujet de la Mishnah maintenant, c'est un peu le même principe, c'est Arava cette fois-ci. Arava, c'est la sole du lulav. Vous savez qu'au Beth Amikdash, il y avait, à part la mitzvah de prendre le lulav tous les jours, il y avait en plus de ça, il y avait tout un rituel autour de la Arava, de la sole. Et notamment, on avait un usage de prendre très grandes branches de sole. Que depuis le parterre, on les mettait par terre et elles se repliaient sur le misbar. En fait, on encerclait tout le misbar avec cette saule, d'accord, avec des grandes barres, des grandes branches de saule. Et alors, la Mishnah m'enseigne maintenant. Sache que cette arava-là, eh bien, même si tu l'as mise sur le misbar, là c'est évident, mais même si tu ne l'as pas encore mise sur le misbar, donc en théorie, il devrait y avoir un interdit de mêler, ben non, c'est faux. Lo ne'enin, velo mo'alin. Ni, on n'a pas besoin d'en tirer profit parce que c'est réservé pour le misbar, mais malgré tout, l'homme en ligne, il n'y aura pas d'interdit de Meïla. J'ai oublié de vérifier pourquoi il n'y a pas d'interdit de Meïla. Une petite seconde. Midenan Kodesh. Mais Kodem, c'est ça. Parce qu'elles sont pas. Il n'y a pas de Kdusha dessus. C'est pas Kadosh, c'est juste pour décorer le Betamigdash, en fait. D'accord? Maintenant, Rabbi Nezer Ben Tzadokom, Rabbi Nezer Ben Tzadokom vient nous enseigner quelque chose de très original en me disant, tu sais. Les vieux sages de Yerushalayim, les vieux, se permettaient de prendre même de cette arava pour la mettre dans leur lulav pour accomplir leur mitzvah. C'est-à-dire, il est venu me dire, tu sais, l'arava qu'on mettait ensuite sur le misbeach, eh bien, avant qu'on la mette sur le misbeach, en théorie, on interdit quand même d'en tirer profit, on a dit qu'on va en tirer profit. Sache que les eskenim, les vieillards de Yerushalayim, ils se retrouvaient au Beth Amikdash, ils avaient besoin de Arava, ils n'avaient aucun problème à saisir cette Arava pour faire leur mitzvah du Lulav avec la Arava en plus dedans, avec la sole. Et pourquoi ils se permettaient de le faire? Ils expliquent les Mefarshim parce que mitzvot lav les notes nitnu. Parce que il y a une grande règle, que une mitzvah c'est un devoir et c'est pas un plaisir. Tu peux la faire avec plaisir si tu veux, mais en tout cas, sache que ce ne sera pas comptabilisé comme une prise de plaisir. Or l'interdit de Meila, c'est de tirer un plaisir de ce qui appartient au Yiddish. La Mishnah m'enseigne que faire une mitzvah en prenant quelque chose qui est kadosh, tu ne transgresses pas l'interdit de Meïla, sauf dans certaines circonstances, parfois ça va être économiser de l'argent. Il y a des tas de détails, mais en tout cas, de manière générale, imaginez que j'ai une arava, j'ai la possibilité d'aller cueillir une arava, donc ça ne coûte rien pour moi, et je préfère prendre cette arava qui est kadosh. Ouais, alors, puisque je suis en train de tirer aucun profit matériel de cette arava, parce que mitzvot lav les not ninu, les mitzvot n'ont pas été données en guise de, comme si c'était un profit que tu tires, mais c'est juste pour accomplir ton devoir. Dans ce cas-là, tu auras le droit d'utiliser cette arava qui n'est pas, qui a une certaine forme de gdusha, puisqu'il y a un interdit d'en tirer profit. Malgré tout, pour accomplir la mitzvah, il n'y aura plus d'interdit du tout. Discussion, est-ce que la halakha est retenue comme Rabbi Eliezer ben Yaakov? Ça, c'est toute une autre histoire. Il y a une grande discussion en fait entre les Mefarshim. Est-ce que Tanakama, il est cholek sur Rabbi Eliezer ben Yaakov ou pas? D'accord? Il y a deux avis sur ça. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine d'Hatzlacha comme tout.